Ladies and gentlemen, we are approaching the end of the 11th edition of the World Policy Conference, and thank you very much for coming this afternoon for this final session. As you can see, there are 10 panelists on the scene with us this afternoon, and the idea of this final session, thank you, Sangnim. It's difficult for me, you know, to see precisely. So 9 panelists, and the idea of this session is to try to cover the question we were not covered during these 3 days of very fruitful discussions, if there are some, and also maybe to add additional points to try to have a sort of patchwork at the end of this afternoon. So I will switch to French to try to explain my personal view of these 3 days before starting the discussion. Je voudrais commencer par repartir de la première phrase du discours de Thierry vendredi matin avec la notion de contradiction qu'il a exposée. Et en écoutant l'ensemble des discussions au cours de ces 3 jours, j'ai noté 4 grandes contradictions qui, à mon avis, ne font pas justice à l'ensemble de nos échanges, mais qui permettent peut-être de préciser le propos de cet après-midi. La première contradiction porte à mes yeux sur le diagnostic. Nous avons un diagnostic tout à fait différent entre, je dirais, les spécialistes de politique internationale qui ont tous exprimé une très forte anxiété par rapport au diagnostic qui a pu être posé par les grands capitaines d'industrie qui se sont exprimés. On a là, à mes yeux, 2 conceptions au fond de la mondialisation. Dans un premier cas, une attention très forte portée aux possibilités de rupture de nature géopolitique. Et dans le deuxième cas, une certaine attitude qui consiste à dire que ces risques géopolitiques existent, mais qu'ils ne sont pas nécessairement dangereux ou qu'ils peuvent être surmontés avec une vision de moyen ou de long terme. La deuxième grande contradiction que j'ai notée, c'est la contradiction qui est apparue, me semble-t-il, entre les espoirs liés aux innovations technologiques et qui ont été exprimés à travers différents panels comme celui de ce matin avec les Young Leaders et les inquiétudes très fortes concernant la stabilité de nos écosystèmes, notamment exprimées lors du dîner avec Laurent Fabius, que ce soit pour le climat, que ce soit pour la biodiversité ou pour que ce soit pour les pollutions. Et donc je pense que cette question, cette tension se cristallise sur la notion d'innovation. Une question à mon avis qui reste ouverte, c'est est-ce que l'innovation telle que nous la pensons est faite pour essayer de changer de modèle ou tout simplement d'essayer de maintenir des modèles existants. Et ça, je pense que c'est une question sur laquelle nos panélistes pourront intervenir. Les 2 dernières contradictions sont de nature plus régionale ou plus géopolitique. La première d'entre elles porte évidemment sur la confrontation ou la coopération, je ne sais pas quel est le bon terme à utiliser cet après-midi, entre la Chine et les États-Unis. Je pense que ça a été vraiment un des fils rouges de toute notre discussion, puisque nous sommes dans une situation inédite où l'administration Trump ne cherche plus à défendre l'ordre international libéral qui a bénéficié à la Chine. Et qu'on a l'impression que pour la Chine, la prise de responsabilité arrive peut-être trop tôt, ce qui crée une anxiété palpable à Pékin. Et évidemment, là aussi, je pense que les panélistes interviendront là-dessus. Ça a des conséquences très profondes sur l'ensemble des zones géographiques que nous avons abordées au cours de ces 3 jours de discussion. Et puis, pour finir, la dernière contradiction est probablement entre l'Europe et ses voisinages, qu'ils soient à la fois méditerranéens, africains, mais aussi son voisinage oriental. Je pense que nous aurons des interventions sur ce plan durant la discussion, avec, ça s'est notamment exprimé lors du panel sur les migrations, avec l'impression d'une demande d'Europe et en même temps d'une Europe qui donne l'impression de se refermer sur elle-même, alors même que les défis qui l'attendent devraient l'encourager à aller être beaucoup plus, je dirais, dynamique vis-à-vis des voisinages précédemment mentionnés. Voilà, à très grands traits, comment je voulais essayer de résumer nos discussions. Évidemment, il y aurait toute une liste d'autres contradictions beaucoup plus précises que nous pourrions formuler, mais ça va être le travail des panélistes. Alors, j'ai fait une partie du travail en mentionnant les problèmes,
Maintenant, chers amis, je vais vous demander de faire votre partie du travail pour surmonter toutes ces contradictions et essayer de finir cette session et cette 11e édition de la World Policy Conference avec peut-être, là où c'est possible, quelques recommandations de nature politique. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble de nos panélistes puisque vous avez leur biographie dans la brochure. Ils disposent tous d'une très riche expérience dans leur domaine de compétences. Et je vous propose de commencer en vous donnant la parole, Madame l'ambassadrice, et puis nous suivrons ensuite, pas forcément l'ordre,